Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les vélos DJ Stuff. Aujourd'hui, on va voir ensemble la Pioneer DJ TJM V10 LF. C'est un mixeur 6 voix incluant 2 boîtes d'effets, 2 aux et un send return pour des effets externes, des égaliseurs 4 bandes sur chaque voix ainsi qu'un EQ isolator sur le master. Elle comporte un filtre passe haut passe bas dédié sur chaque voix et bien entendu a été construite pour vous restituer une qualité sonore exceptionnelle. Je vous ai d'ailleurs effectué un enregistrement de la partie préampli phono ainsi que la partie carte son dans un comparatif en vidéo dont vous pouvez retrouver le lien dans la description de cette vidéo. On passe sur les connexions avec l'entrée micro combo XLR jack, la sortie MIDI, le port Ethernet Prodigy Link avec l'entrée micro 2, toutes les entrées PhonoLine de toutes les pistes avec les entrées et sorties numériques SPDIF coaxial, la sortie numérique AES EBU, une sortie secondaire Booth en jack, la sortie master en XLR et en RCA, une sortie REC et enfin les deux aux return et le send return. Tout comme sa sœur la V10 LF fonctionne sur Rekordbox, sur Serato et sur Traktor. Bon, d'autres logiciels, mais en tout cas, c'est les trois annoncés dès le départ. Sur Rekordbox, elle vous débloquera la partie performance. Elle vous débloquera aussi la partie DVS. Sur Serato, elle vous débloquera la partie licence Serato. Cependant, il va falloir acheter le Club Kit si vous voulez avoir la partie DVS. Et sur Traktor, il vous suffit juste d'avoir la licence Traktor Pro 3 pour que ça fonctionne. Plug and play, aucun souci. Alors, on a déjà vu la DJM V10. Vous allez voir que cette vidéo va être quand même beaucoup plus courte que la précédente. Pourquoi? Parce que vraiment la grosse, grosse différence qui va se faire entre deux les mixeurs, c'est-à-dire que on va faire un rapide tour du propriétaire, mais la grosse différence qui va se faire entre les deux, c'est que au lieu d'avoir les faders en 45 mm et le crossfader, vous avez uniquement les faders en 60 mm. Donc ça va être le choix, c'est est-ce que je vais prendre la V10 parce que le crossfader était indispensable pour moi, ou est-ce que je vais prendre les faders parce que le crossfader je m'en fiche un peu et donc je prends la version. Le reste c'est exactement la même chose. De ce fait, si vous souhaitez connaître toutes les fonctions sur la DJM V10 et forcément la DJM V10 LF, je vous invite à regarder la vidéo que vous avez dans la description qui va vous remettre vraiment toutes les fonctions une par une, tous les effets un par un, enfin tout est décortiqué. Et donc bien évidemment on va voir à la fois un peu tout ce qui est les effets send ici, tous les petits short delay, long delay, tout ça, les effets au tempo que vous avez sur cette partie là, on va parler des compresseurs, on va parler des 4 EQ, on va parler de l'isolator, on va parler de toute la série que vous avez à l'arrière pour le tout ce qui est aux et send return. Voilà, vous allez vraiment tout voir, donc n'hésitez pas à aller un petit coup. Donc la grosse différence va être au niveau des faders. Ça va être aussi au niveau de la courbe, car vous avez aussi possibilité de changer la courbe. Les deux courbes, on va dire extrêmes, celle-ci et celle-ci, vont être à peu de choses près les mêmes que sur la V10 normale. C'est cette courbe-là qui a été ajustée en interne pour avoir vraiment des fondus tout fins, etc. Enfin, vraiment le meilleur des fondus possibles. Sur un fader 60 mm. Voilà, c'est la grosse différence que vous allez avoir entre la normale et la LF. Voilà, bon, vu que la vidéo est très courte, je ne pouvais pas m'empêcher de vous faire un petit son quand même, donc on va faire un petit buff, rien de prétentieux, juste comme ça, pour voir un peu les possibilités de la table. Et voilà, c'est parti. Give it up.
C'était donc la Pioneer DJ DJM V10LF Longfaders. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, même si elle est très très courte. En tout cas, n'hésitez pas de voir la vidéo de la V10 que je vous ai mis dans la description. Merci beaucoup d'avoir suivi celle-ci et je vous dis à très bientôt pour le prochain contenu. D'ailleurs, je ne sais pas s'il y a des prochains contenus avant les fêtes, donc j'en profite pour vous souhaiter très bonnes fêtes avec vos proches, votre famille, tout ça, que tout se passe bien, que vous passiez vraiment des moments heureux et voilà, sans trop de problématiques en tête. Passez de très bonnes fêtes, un bon premier de l'an et une bonne année. Moi, je vous le dirai peut-être avec une autre petite vidéo. En tout cas, voilà, très bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis au prochain contenu. Ciao, portez-vous bien tout le monde.